voté pour cet accord de sécurité signé entre le président de la République et le président ukrainien, ce n'est pas acter une escalade de la guerre. C'est réaffirmer notre engagement constant aux côtés du peuple ukrainien. Et c'est dire à la Russie que l'Europe ne cédera plus jamais aux menaces ou à la peur. Non, nous ne décidons pas aujourd'hui réellement d'un accord de sécurité avec l'Ukraine. Vous l'avez déjà signé sans rien demander à personne. Vous nous demandez de signer un chèque en blanc après les déclarations « va-t-en-guerre irresponsable » du chef de l'État, chef des armées. Nous ne pouvons l'accepter. Pour nous, tourner le dos à l'Ukraine, ce serait tourner le dos à nos valeurs. Ce serait trahir la confiance de nos alliés et faire acte de faiblesse. Ce ne serait certainement pas la paix, mais la porte, au contraire, la porte ouverte à de nouveaux conflits, de nouvelles blessures et de nouvelles guerres. Alors depuis la première seconde, aux côtés du président de la République, nous le disons clairement et fermement, nous sommes aux côtés de l'Ukraine, nous l'aiderons autant qu'il le faudra. Peut-être, Monsieur le Premier ministre, était-ce l'objectif ? Vous parer du lin blanc du camp du bien et rejeter l'ensemble des oppositions et donc des millions de Français qu'elles représentent dans le camp du mal, dans un choix indigne que vous semblez vouloir imposer, soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. Cette attitude, je vous le dis tranquillement, mais solennellement, est abjecte.